Bonjour, je suis Pascal Haut, donc artiste plasticien et aussi commissaire de cette exposition qui s'intitule Grand Format. Alors pour ces deux affiches, qui n'en font qu'une considérant cette œuvre que j'ai intitulée Sensualité, j'avais fait un travail de recherche sur Léonard de Vinci et Michel-Ange. Donc les écorchés de Léonard de Vinci et les ignudis de Michel-Ange dans la chapelle Sixtine m'ont fait penser à quelque chose que je pouvais mettre, peut-être faire un rapport entre les deux, puisque ces deux peintres de la Renaissance, bien connus de tout le monde, m'ont inspiré. Et cette inspiration, en fait, a été traduite par ce dessin informatique, puisque j'ai retravaillé à la fois certains de chacun de leurs dessins pour en faire donc ce dos masculin, ce dos nu de masculin, à la fois musclé et aussi écorché. Pour la partie féminine, là j'ai plutôt travaillé sur l'antiquité grecque et romaine, où j'ai allié aussi les deux sculptures. J'ai étudié plusieurs de ces sculptures là pour n'en faire qu'une seule, un petit peu à l'image que je voulais en donner, pour donner une espèce de réalité fantôme, non plus de quelque chose qui est figé dans le temps comme une sculpture peut l'être, mais plutôt comme un dessin qui serait une vue fantôme, ou en tout cas un état d'esprit qui vient se confondre entre ces deux personnages, là, ces deux dessins, qui se veulent être aussi sensuels l'une que l'autre. Alors évidemment, à travers les âges, la sensualité dans la peinture, dans la sculpture, est tout le temps présente. Voilà ma recherche, enfin, l'aboutissement de ma recherche sur la sensualité. C'est une toile faite avec du cacao. J'ai fait une série de toiles de ce format-là, en général. Donc, mais avec très peu de moyens. C'est-à-dire que là, en fait, ça a été la période la plus difficile pour moi de travailler le cacao. La période la plus simple et plus facile, ça a été évidemment... Alors là, actuellement, je suis en recherche justement sur ces mélanges-là. Je reprends ce concept de cacao, café et thé, où j'essaye de mélanger ces trois produits différents, un peu comme sur une palette de peintre, hein, où on a les couleurs primaires. Donc pour moi, mes primaires, ça va être le thé, le café et le cacao. Voilà, vous pouvez me contacter par téléphone sur le 07 69 15 43 15 ou alors par mail, donc galerie.pascalo@gmail.com. Merci, au revoir, à bientôt.